Là. Bonjour, bonjour, namasté. Et bienvenue dans cette nouvelle routine Yoga Banane. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette séance spéciale femme enceinte. J'ai quelques conseils à vous donner en ce début de séance. Nous allons en profiter pendant notre moment de centrage. Le centrage, c'est au début de toute séance de yoga, ce qui permet de venir centrer son énergie. Et j'ai également besoin de mettre un petit peu d'anti-moustique parce qu'il y a les moustiques qui viennent me dévorer. C'est un petit peu compliqué de faire une routine si on se fait manger par les moustiques en même temps. Donc voilà, c'est un spray spécial, bien sûr, femme enceinte. Il en existe puisqu'il faut éviter tous les produits toxiques, bien sûr, pour le développement de bébé. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Dites-moi dans le chat si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est OK. On va également pouvoir être accompagné de nos petits oiseaux. Alors, il y a pas mal de routes à côté et donc pour éviter que vous entendiez la route, on va plutôt lancer de la musique. Tac. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ok. Tac. Pourtant, si ça marche. Non, ça ne va pas. Ok, alors j'ai un petit souci de bande son. Alors peut-être que ça ne fonctionnera pas. Hop, on va réessayer une autre. Il y a les moustiques qui me tournent autour. Alors, hop. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, on commencera. Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors, je vois que sur le chat, c'est bon, vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire si jamais vous entendez un peu trop les bruits alentour, je peux changer le réglage. Tout est OK, merci beaucoup. Alors, je crois qu'on n'arrivera pas à avoir le son aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça se fait. Bon, eh bien, ce n'est pas grave. On va voir si on fait ça. AQAWIP3. Non, bon, ça veut pas. Ok, ça ira bien. Bonjour à tous, contente d'être parmi vous. Eh bien, bienvenue Claude. Oui, alors cette séance spéciale femme enceinte, vous pouvez la faire même si vous n'êtes pas enceinte. C'est vraiment, il va y avoir des conseils pour les femmes enceintes, mais le yoga reste une pratique globale. C'est spécial parce qu'il y a ces conseils, mais même si vous n'êtes pas enceinte, bien sûr, vous pouvez pratiquer, que vous soyez un homme, une femme. Ce sera tout à fait bénéfique pour vous aussi, même si vous n'êtes pas enceinte. Namasté, bonjour à tous, bienvenue. Allez, on commence cette séance. Tout d'abord, pour vous installer sur votre tapis, l'idéal est de bien avoir votre dos bien droit pour justement ne pas vous faire mal en bas du dos. Donc, il faut vous redresser, il faut avoir votre dos bien droit. Pour cela, vous pouvez utiliser des accessoires comme un bloc, un coussin de méditation, une serviette roulée par exemple. C'est possible pour vous surélever et cela vous permettra de vous redresser. Ensuite, vous pouvez également décider de faire cette séance assise sur une chaise pour commencer, parce que parfois d'aller au sol, c'est un petit peu difficile. Donc surtout, n'hésitez pas à seulement commencer la séance sur une chaise. Et puis, vous venez déposer le dos de vos mains sur vos genoux. Pour les femmes enceintes, si vous voulez, vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre, sur votre bébé. Et vous allez pouvoir fermer les yeux. Resserrez bien vos épaules vers l'arrière et vers le bas.
Vous rentrez le menton et vous étirez le sommet du crâne jusqu'au ciel. Vous vous grandissez, vous venez fermer les yeux. Vous respirez calmement, profondément. Pour vous connecter à l'instant présent, pour vous connecter votre corps, votre esprit et votre bébé. Pour les personnes qui ne sont pas enceintes, vous pouvez également connecter à votre enfant intérieur. Vous pouvez venir activer cette connexion profonde avec l'être pur et innocent qui se trouve en vous. Respirez profondément, calmement. Ce qui est essentiel pour les femmes enceintes pendant une pratique de yoga, c'est de faire attention aux douleurs éventuelles qu'il va pouvoir y avoir. Au niveau du pubis, de la symphyse pubienne qui se trouve en bas de votre ventre, donc c'est l'articulation qui rejoint les deux parties du bassin, et il va y avoir les sensations de tiraillement principalement au niveau du ventre. Si vous sentez que ça tire jusqu'à faire une légère douleur, eh bien c'est que vous n'êtes pas dans un bon mouvement par rapport à votre pratique. Il est très important de faire attention à ces deux signaux d'alarme, de tiraillement au niveau du ventre et de sensation au niveau de la symphyse pubienne, au niveau des douleurs. Respirez calmement, profondément. Soufflez, restez. Progressivement, vous pouvez ralentir votre respiration. Le dos bien droit, les épaules basses. Vous vous sentez bien, vous vous sentez merveilleusement bien. Détendez votre visage. Laissez circuler votre énergie en vous. Et nous allons venir connecter un mantra pour cette journée. Ce mantra, vous allez le personnaliser. Je vais vous indiquer comment. Gardez les yeux fermés, le visage détendu. Et le mantra d'aujourd'hui sera le suivant. Je m'appelle, vous pouvez donner votre nom et votre prénom. Et je suis capable de tout réaliser. Donc par exemple, pour moi, je m'appelle Marie-Mathilde et je suis capable, on va même mieux faire, de réaliser tout ce que je veux. On le répète ensemble. Je vais vous laisser le moment du prénom puisque vous pouvez également le dire dans votre tête. L'idéal, c'est tout de même de le dire à voix haute. Je m'appelle et je suis capable de réaliser tout ce que je veux. Je m'appelle et je suis capable de réaliser tout ce que je veux. Je m'appelle et je suis capable de réaliser tout ce que je veux. Je m'appelle et je suis capable de réaliser tout ce que je veux. Je m'appelle et je suis capable de réaliser tout ce que je veux. Laissez ces mots vibrer en vous avec le son du bol tibétain. Laissez-les résonner dans chacune des cellules de votre corps. Je m'appelle et je suis capable de réaliser tout ce que je veux. Je m'appelle et je suis capable de réaliser tout ce que je veux. Je m'appelle et je suis capable de réaliser tout ce que je veux.
Vous respirez calmement, profondément, vous laissez ces mots résonner en vous. Vous laissez la vibration du bol tibétain vibrer en vous également. Inspirez profondément. Et soufflez, vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire. Sur Facebook, je vous rappelle que pour enlever les commentaires, vous faites swiper l'écran dans un sens ou dans l'autre. Et vous ne serez pas embêté par les marabouts qui viennent profiter de cette audience pour faire leur publicité mensongère. Amenez vos mains en prière au niveau du cœur, les épaules basses, le dos bien droit. Grandissez-vous et venez frotter vos mains. Activez l'énergie entre vos mains. Activez la chaleur entre vos mains. Allez-y, frottez un peu plus vite, un peu plus fort. Et venez relâcher vos mains d'abord sur votre visage. Laissez l'énergie se transférer de vos mains à votre visage, à chacune des cellules de votre visage. Puis faites glisser vos mains sur votre peau pour réveiller votre visage, pour défatiguer votre peau, pour assouplir la peau de votre visage. Massez-vous, faites-vous du bien. Activez la régénération cellulaire de votre visage, activez la circulation lymphatique de votre visage, puis venez passer vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations. Cette journée sera parfaite, votre grossesse sera parfaite également, et vous ferez tout ce que vous avez à faire en temps et en heure. Tout est parfait, l'univers a un plan pour vous et il est parfait. Vous pouvez passer vos mains dans votre cou. Et vous pouvez tous venir passer vos mains au niveau de votre ventre. Même si vous n'êtes pas enceinte, venez activer la digestion de votre ventre. Ceux qui ne sont pas enceintes, vous pouvez venir dans le sens de la digestion, c'est-à-dire on remonte par la droite, on va par le haut sur la gauche, on descend le long du côlon descendant et on revient sur le côlon sigmoïde, puis on repasse sur le côlon ascendant et on fait un cercle. Pour vous, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, mais quand on se regarde face au miroir. Donc on vient remonter sur la droite comme ça. Ça c'est pour les personnes qui ne sont pas enceintes. Et pour celles qui ont un bébé dans le ventre, vous pouvez venir caresser votre bébé, venir activer ici le contact avec votre bébé. Vous lui apportez de la douceur, vous lui apportez de l'affection, vous lui apportez du réconfort. Vous lui dites « je suis là ». Et tout va très bien se passer. Puis vous relâchez vos mains sur vos genoux. Allongez le dos, allongez la colonne. Inspirez, amenez l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Soufflez le menton vers le bas. Inspirez le menton vers le haut. Soufflez le menton vers le bas. Inspirez le menton vers le haut. Vous allez vous arrêter à gauche. Soufflez. Et on repart dans l'autre sens. Inspirez le menton vers le haut. Soufflez le menton vers le bas. Inspirez le menton vers le haut. Soufflez le menton vers le bas. Arrêtez-vous à gauche. Et inspirez, revenez la tête au-dessus des épaules. Il est essentiel de pratiquer une activité physique, même pendant la grossesse. Parce que, donc ici, vous allez passer à quatre pattes. On va commencer les asanas. On va commencer l'enchaînement. Parce que vous allez devoir porter votre bébé, vous allez devoir gérer tout un tas de choses et vous allez devoir porter les choses que votre bébé aura besoin, porter la poussette, porter la nacelle, porter tout ça. Et donc, il est important de renforcer déjà vos bras, votre dos également, puisque avant de porter après la naissance, vous allez également porter votre ventre. Et donc, il est essentiel de renforcer votre dos, vos bras, vos jambes, de garder une activité physique. Donc ici, vous êtes à quatre pattes. Les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Inspirez, allongez le dos, allongez la colonne. Je vous rappelle les précautions à prendre si vous sentez un tiraillement au niveau du ventre, au niveau de la symphyse pubienne. Venez vous asseoir sur vos talons. Vous écartez vos genoux pour laisser de la place à votre ventre. Et vous venez dans cette posture de l'enfant, vous posez votre front sur le sol. Si votre ventre est trop gros, posez votre front sur un bloc pour venir vous relâcher dans cette posture. Ça, c'est notre posture de repos. À n'importe quel moment, vous pouvez venir vous installer dans cette posture. Ici, donc, on reste à quatre pattes.
Vous allongez le dos, vous allongez la colonne, vous vous grandissez, vous repoussez le sol, les bras tendus, puis vous venez retourner les orteils pour venir lever les hanches vers le ciel. Et on vient en chien tête en bas. Poussez vos épaules vers vos orteils. Ouvrez votre cœur en resserrant vos épaules vers l'arrière, le poids du corps à l'intérieur des mains. Inspirez, restez. Et soufflez, ramenez vos genoux sur le sol. Redressez-vous les épaules au-dessus des hanches et vous allez libérer votre jambe droite devant vous. Ici, vous allez amener votre pied gauche. Donc, vous pouvez décoller votre genou pour ne pas faire coincer votre peau. Pour amener votre pied gauche sur la droite. Donc vous êtes en fente basse, le genou au sol et vous ouvrez bien votre genou droit. Donc ici on va avoir une ouverture au niveau du bassin, un échauffement au niveau des hanches. Et vous levez vos bras parallèles au sol, vous faites une belle ligne. Vous regardez votre main droite avec un regard doux et paisible. Puis vous inspirez, levez la main droite vers le ciel, guerrier passif. Ici vous pouvez mettre votre main gauche le long de votre cuisse. Ou sur votre ventre, comme vous préférez. Mais regardez votre main droite vers le ciel. Inspirez. Et soufflez, on bascule en avant. Venez poser votre coude droit sur le genou droit. Et étirez votre bras gauche au-dessus de la tête. Ouvrez toujours bien votre genou droit. Ne le laissez pas rentrer à l'intérieur. Inspirez. Et soufflez, on revient les deux bras parallèles au sol. On se grandit, les épaules bien basses. Soufflez, restez. Inspirez. Et soufflez, vous faites un grand soleil pour ramener vos mains sur le sol. Ici, vous ramenez le genou à gauche, du coup le pied gauche dans l'axe. Et vous revenez à quatre pattes. Ici, les mains bien à plat sur le sol, le dos actif. Allongez le dos, gardez la nuque dans l'alignement du dos en regardant le sol, le menton légèrement rentré. Retournez les orteils, prenez appui sur vos orteils et levez les hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Ici, on repousse le sol, on active son dos, on pousse ses épaules vers ses orteils. On vient rentrer les talons dans le sol, sentez l'étirement à l'arrière de vos cuisses. Puis on vient déposer les genoux sur le sol. À nouveau, on se redresse les épaules au-dessus des hanches et cette fois-ci, vous libérez votre pied gauche. Vous tournez, si vous voulez, vous pouvez soulever votre pied. Vous tournez votre pied droit en direction de la gauche du tapis pour être bien en équilibre sur vos deux jambes, le genou droit au sol, le genou gauche au-dessus de la cheville, légèrement vers l'extérieur et vous venez lever vos bras parallèles au sol. Regarde doux et paisible sur votre main gauche et vous faites une belle ligne avec les épaules basses. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel, amenez votre regard sur la gauche, la main droite le long de la cuisse ou sur votre ventre, sur votre bébé. Inspirez et soufflez, on bascule en avant, levez le bras droit au-dessus de la tête, regardez par-dessous votre épaule droite. Poussez bien votre genou gauche vers l'extérieur. Peut-être que ça tire un petit peu à l'intérieur de la cuisse. Tout va bien. Inspirez. Et soufflez, on se redresse les bras parallèles au sol. Guerrier 2, genoux au sol. Inspirez. Et soufflez, faites un grand soleil pour ramener vos mains sur le sol. Ramenez le pied droit dans l'axe et libérez votre jambe gauche pour revenir à quatre pattes, les deux mains à plat sur le sol. Allongez le dos, allongez la colonne, inspirez, restez. Soufflez, retournez les orteils et venez lever vos hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Allongez le dos, allongez la colonne, inspirez, restez. Et soufflez, vous allez lever votre jambe droite vers le ciel. Chien à trois pattes. Et soufflez, ramenez votre jambe droite sur le sol. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, chien à trois pattes. Soufflez, ramenez votre jambe gauche sur le sol, chien tête en bas, poussez vos épaules vers vos orteils. Puis vous marchez jusqu'à vos mains, donc là vous pouvez écarter vos pieds pour laisser de la place à votre ventre entre vos jambes, plus ou moins écartées. Vous n'êtes pas obligé d'écarter
Si vous n'avez pas de ventre, si vous n'êtes pas enceinte, vous relâchez la tête, vous relâchez le dos. Ici, vous avez vraiment tout votre haut du corps qui est amené vers le sol par la gravité. Inspirez et soufflez. Vous venez plier les genoux, déroulez votre dos doucement. En terminant par dérouler la tête. Et vous venez resserrer vos pieds. Vous êtes en posture de la montagne, Tadasana. Pomme de main vers l'avant, les épaules en arrière. Ou les mains sur votre ventre. Fermez les yeux un instant. Et sentez votre corps s'activer. Respirez calmement, profondément. Peut-être que vous sentirez votre bébé bouger. Peut-être pas. Respirez profondément. Soyez à l'écoute de vos sensations sans les juger. Inspirez. Essoufflez, on ouvre les bras, on revient dans la posture de la montagne. Ouvrez les bras, inspirez, étirez les mains vers le ciel. Essoufflez, vous reculez votre jambe gauche en arrière. Ici, on vient en guerrier 2, cette fois-ci, debout. La jambe gauche étendue, le genou droit est au-dessus de la cheville. Les bras parallèles au sol, les épaules basses. Serrez vos jambes, serrez vos cuisses, gainez vos cuisses et votre dos. Inspirez, levez la main droite vers le ciel, main gauche sur la jambe gauche tendue ou sur votre ventre, soufflez, plongez en avant, venez poser votre coude droit sur le genou droit, étirez votre côté gauche. Inspirez, restez. Et soufflez, on se redresse. Inspirez, tendez votre jambe droite et soufflez, faites glisser vos épaules en avant pour amener votre main droite. Ensuite, sur votre jambe droite tendue, gardez une contraction de votre cuisse, une sorte de micro-flexion de votre cuisse pour ne pas abîmer votre genou droit. Pas la peine de trop descendre ici, vous pouvez même rester ici. L'essentiel est de ne pas pointer les fesses en arrière et de ne pas sentir de douleur dans votre ventre. Regardez votre main gauche, inspirez. Essoufflez, revenez. Ici en guerrier 2, alors vous allez me voir peut-être en contre-jour. N'hésitez pas, si vous êtes sur Facebook et vous avez besoin de me voir, vous passez sur Instagram, je crois que l'angle est différent et du coup, n'hésitez pas à switcher entre les deux pour ne pas être embêté. Inspirez. Essoufflez, on ramène son pied gauche à l'avant du tapis. Ici, on va venir travailler l'ouverture au niveau des hanches. Alors, peut-être si je peux tourner un peu. Ça sera mieux. Okay, j'essaye de mettre pour que vous me voyez bien sans avoir trop le soleil. Hop. Allez. Donc, vous avez vos deux pieds larges à largeur de tapis, ouverts à largeur de tapis. Les talons légèrement vers l'intérieur. On va venir dans la posture Malasana, posture de la guirlande. Inspirez, ouvrez les bras, étirez les mains vers le ciel. Essoufflez, descendez vos mains en prière au niveau du cœur. Pliez vos genoux et venez, si possible, vous mettre accroupi. Si vous n'arrivez pas à vous mettre accroupi, n'hésitez pas à utiliser des accessoires, à venir peut-être vous asseoir ici avec un bloc pour pouvoir écarter les genoux et pour pouvoir ici travailler sur l'ouverture au niveau des hanches sans trop forcer au niveau des articulations du genou. Donc ici, voilà, ici, soit vous utilisez un accessoire. Ah, je crois que ça a bugué sur Instagram. Mince alors. Ah, ça y est, c'est revenu. Non. Ah, que se passe-t-il ? Ok, ça y est, c'est revenu. N'hésitez pas, si ça bug d'un côté ou de l'autre, à passer sur Facebook ou sur Instagram. Donc ici, vous êtes en posture de la guirlande et vous venez ouvrir vos genoux sur le côté. Cet exercice, il permet de travailler l'ouverture au niveau des hanches. Il aide également à la digestion. Parfois, pendant la grossesse, la digestion peut être un petit peu difficile puisque bébé prend de la place dans le ventre et au niveau des organes digestifs. Inspirez, allongez le dos, allongez la colonne. Et soufflez, on va venir faire un mouvement où vous allez
venir poser votre main gauche tendue sur le sol et vous allez ouvrir votre genou droit. Donc ici, s'il y a des sensations de tiraillement dans la cuisse, c'est bon. S'il y en a dans le ventre, ce n'est pas bon. Allez moins loin dans la torsion. Amenez votre main droite sur le sol et on vient ouvrir son genou gauche. Et on revient. Ici, vous avez vos articulations pendant la grossesse qui changent, la structure des ligaments qui change, on change de côté. Le bras droit tendu, on vient ouvrir le genou gauche. Donc, vous pouvez travailler votre souplesse et même conseiller, mais n'allez pas trop loin, surtout ne risquez pas de vous blesser. Allez-y progressivement. Puis, on revient les deux mains en prière au niveau du cœur et puis repoussez le sol. Étirez vos mains vers le ciel, allongez le dos, allongez la colonne. Essoufflez, ramenez vos pieds, resserrez l'un contre l'autre. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, restez. Soufflez, ouvrez les bras, étirez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Puis soufflez, reculez cette fois-ci votre pied droit loin derrière. Posture du guerrier de pousser bien votre genou gauche vers l'extérieur. Les bras parallèles au sol. Regard d'où est paisible sur votre main gauche. Inspirez, restez. Soufflez, levez la main gauche vers le ciel. Guerrier pacifique, étirez votre main gauche vers le ciel. Main droite sur votre jambe droite tendue ou sur votre ventre. Inspirez. Et soufflez, plongez en avant. Venez poser votre coude gauche sur le genou gauche. Étirez votre bras droit au-dessus de la tête. Regardez votre main droite si vous pouvez. Inspirez. Et soufflez, redressez-vous, les bras parallèles au sol. Tendez votre jambe gauche. On va passer dans la posture du Trikonasana. Glissez les épaules en avant, contractez bien votre cuisse gauche et levez votre main droite vers le ciel. N'allez pas trop bas, ça ne sert à rien de vouloir absolument toucher le sol. Gardez surtout les hanches entre vos pieds, pas trop les fesses en arrière. Inspirez, regardez votre main droite, allongez le dos, allongez la colonne. Soufflez, restez. Inspirez, redressez-vous. Venez plier votre jambe gauche. Revenez en guerrier 2. Inspirez et ramenez votre jambe droite à l'avant du tapis. Pomme de main vers l'avant, les épaules en arrière. Inspirez, ouvrez les bras et tirez les mains vers le ciel. Cette fois-ci, vous pouvez avoir les pieds légèrement écartés ou les écarter au moment de la descente puisque vous descendez les bras ouverts. Allongez le dos, allongez la colonne jusqu'à venir posez vos mains sur le sol, n'hésitez pas à plier les genoux. Pour ceux qui ont des problèmes au niveau du bas du dos, pliez vos genoux surtout, c'est très important. Inspirez, redressez le haut du dos de moitié. On vient mettre les mains sur les genoux, les épaules en arrière, dans la posture de la demi-pince. Vous faites une équerre avec votre corps, essoufflez, pliez les jambes, posez les mains au sol et reculez les deux jambes en arrière pour venir en chien tête en bas. Allongez le dos, allongez la colonne, inspirez, restez. Soufflez, restez. Inspirez, vous venez croiser une jambe au sol, vous venez croiser l'autre derrière et vous allez venir vous allonger sur votre dos pour terminer avec un exercice pour renforcer le bas du dos. Donc ici, vous êtes allongé sur le dos, les pieds sur le sol, les genoux pliés. Et vous allez venir activer vos pieds dans le sol et vous décollez les fessiers du sol. Inspirez, levez les hanches, alignez vos hanches avec vos épaules et vos genoux. Soufflez, restez. Et inspirez, on vient déposer doucement son dos, vertèbre après vertèbre. On essaye de faire une bonne bascule au niveau du bassin pour terminer par déposer votre coccyx sur le sol. Inspirez, on vient repousser le sol, on lève les hanches le plus haut possible sans se faire mal. Alignez vos hanches avec vos genoux et vos épaules. Soufflez, restez. On reste bien haut, inspirez. Et soufflez, déposez votre dos vertèbre après vertèbre. En terminant par déposer votre bassin. Inspirez, restez. Cet exercice, si vous avez mal au dos, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. Cela vous permettra de renforcer les muscles profonds de votre dos, que vous soyez enceinte ou non. Inspirez, vous venez tendre votre jambe gauche sur le sol, ramenez votre genou droit sur le ventre ou à l'extérieur du ventre pour les femmes enceintes.
de plus de 5-6 mois qui ont un gros ventre. Inspirez. Soufflez, ramenez le pied droit sur le sol. On replie le pied gauche, tendez la jambe droite et amenez le genou gauche sur votre ventre, à l'extérieur du ventre, pour venir étirer votre muscle psoas. Donc c'est le muscle qui se trouve du côté de la jambe qui est tendue. Vous écrasez votre genou droit dans le sol et vous tirez le genou gauche vers vous. Inspirez, vous ramenez vos deux pieds sur le sol. Vous pouvez venir connecter vos plantes de pieds l'une à l'autre et ouvrir vos genoux vers l'extérieur dans la posture de la déesse allongée. Et ici, on va faire un pranayama. Ici, on va respirer ensemble. Vous allez inspirer profondément par le ventre, gonfler le ventre. Et soufflez, relâchez votre ventre. En fin d'inspiration, vous pouvez avoir votre buste qui s'élève sans problème. Inspirez, gonflez le ventre. Essayez de vraiment ressentir le mouvement au niveau du ventre. Et soufflez, laissez le ventre être ramené vers le sol. Donc ici, on fait cette respiration allongée sur le dos pour que l'expiration au niveau des abdominaux ne soit pas forcée. Vous avez juste à relâcher votre ventre pour permettre d'expirer sans avoir une contraction forte au niveau des abdominaux. Inspirez, gonflez le ventre. Essoufflez, relâchez le ventre, laissez l'air sortir de vos poumons. Inspirez, gonflez le ventre. Soufflez, relâchez votre ventre. Alors, on ne reste pas trop longtemps allongé sur le dos pour les femmes enceintes, puisque ça vient appuyer sur l'artère qui passe au niveau de votre digestion. Et donc, pour les femmes enceintes, vous allez resserrer vos genoux. On va se mettre du côté gauche pour ne pas venir comprimer la veine, l'artère splénique, la veine cave, au niveau de la circulation en tout cas. Vous venez vous allonger sur votre côté gauche. Et donc ici, vous allez pouvoir placer un coussin peut-être sous votre genou droit. Et ici, vous êtes allongé sur le côté. Vous pouvez mettre un coussin sous votre tête. Et pour les personnes qui n'ont pas de bébé dans le ventre, vous pouvez rester sur le dos pour votre Shavasana. Et vous continuez de respirer profondément, calmement dans votre Shavasana. Où vous détendez toutes les parties de votre corps, que vous soyez allongé sur le dos ou sur votre côté gauche. Vous respirez calmement, profondément. Et vous vous laissez aller. Laissez votre corps se relâcher, votre esprit libéré. Vous lâchez prise complètement de toutes vos préoccupations. Vous n'avez rien d'autre à penser qu'à vous détendre, à vous connecter à votre bébé. Ou à votre enfant intérieur. Vous êtes pleinement détendu.
vous allez venir prendre une grande et profonde inspiration, gonflez le ventre. Et soufflez la bouche ouverte. Commencez à bouger vos doigts, à bouger vos orteils. À vous étirer, peut-être même à bâiller. Et trouvez votre chemin pour venir me rejoindre en position assise pour terminer ce cours de yoga banana. Amenez vos mains en prière au niveau du cœur. Aujourd'hui, pour terminer cette routine, je vous propose de chanter ensemble le son Om. Le son Om, au-delà de sa signification au niveau de la culture du yoga, il permet de faire vibrer ses cordes vocales. Et pour la connexion à son bébé, vous allez également pouvoir lui envoyer des vibrations positives, et ça va permettre de résonner en vous. Donc c'est très puissant également pendant la grossesse de chanter le son Om. Surtout les sons qui sont graves, cela vous aidera lors des douleurs, lors de l'accouchement, lors des contractions. Vous avez la possibilité de venir reconnecter à cette première partie du son Om, le Om. Et vous allez pouvoir justement libérer vos douleurs et libérer, placer votre énergie au niveau de votre bas du ventre pour pouvoir orienter la poussée peut-être, ou en tout cas le contrôle de la douleur lors de vos contractions. Amenez ici donc vos mains en prière au niveau du cœur, les épaules basses, le dos bien droit. Les trois sonorités sont le A, le O et le E. Vous allez sentir le A en bas de votre colonne, puis le O au milieu de votre ventre, au milieu de votre buste, et le E au niveau du sommet du crâne. Vous pouvez vous concentrer sur le A plus longtemps ou sur le O ou le E pour de la sécurité ou de la transformation si vous n'êtes pas enceinte par exemple. Amenez donc vos mains en prière, vous les avez déjà, excusez-moi, je me répète, à fermer les yeux, inspirez profondément et soufflez d'abord la bouche ouverte sans son. Puis inspirez pour le premier Om. Inspirez. Une deuxième fois, inspirez. Troisième et dernière fois, inspirez. Puis vous amenez vos mains en prière au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Soufflez, amenez vos mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Inspirez, amenez les mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande et profonde inspiration, gonflez le ventre. Et vous pouvez souffler, ouvrir les yeux avec le sourire et vous applaudir pour avoir pris ce temps pour vous, pour vous être accordé ce moment, ce matin ou aujourd'hui si vous faites la séance en replay. N'hésitez pas à commenter un maximum cette vidéo, à la partager, à vous abonner également. Je suis Marie-Mathilde, je suis la fondatrice du concept Yoga Banane. Je suis kinésithérapeute et professeure de yoga et je vous accompagne tous les jours sur 30 minutes de routine où je passe un moment également après en live pour pouvoir répondre à vos questions. C'est essentiel pour moi d'avoir cette connexion. Ce n'est pas simplement un programme virtuel, c'est vraiment un accompagnement réel. Je vais prendre le temps maintenant de répondre à vos messages. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas également à partager aux femmes enceintes qui sont autour de vous pour leur apporter un petit peu d'activité, parce que parfois on ne sait pas trop justement ce qu'on a, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et on a peur de mal faire. Donc surtout, n'hésitez pas à leur partager, à leur donner
ces quelques conseils également que vous avez pu apprendre aujourd'hui pendant cette classe, pendant cette routine. Je vous remercie d'avoir assisté à ce cours. Je vous envoie des gros bisous à tous. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Namasté. Et maintenant, je réponds à vos messages. Alors, Florence, merci, bon dimanche. Merci à toi, bon dimanche à toi aussi. Valérie, excellente séance. Même sans être enceinte, merci Marie-Mathilde. Oui, c'est ce que je vous avais dit. Même si vous n'êtes pas enceinte, vous avez toujours les bienfaits du yoga banana, de la respiration, des mouvements. Namasté, une très belle journée à toi Valérie. Merci pour ton message. Sophie, merci. Est-ce que cette pratique convient à chaque mois de grossesse? Oui, tout à fait. Cette pratique convient à chaque mois de grossesse, Sophie. Il n'y a pas de mouvements ici qui sont dangereux. C'est vraiment au niveau des contre-indications que je vous ai dit au début de la séance, des douleurs. Et que ce soit au premier trimestre, au deuxième trimestre ou au troisième, tu peux faire ces mouvements sans contre-indication. Je te souhaite une très belle journée, Sophie. Namasté. J'ai fait exprès justement de faire une séance globale qui va permettre justement d'avoir tous les trimestres au niveau de la grossesse. Bien sûr, lorsque on n'a pas de ventre au début de la grossesse et qu'on a plus de nausées, il y a certains mouvements qu'on va pouvoir faire. Et en fin de grossesse, le ventre grossit encore plus et donc il y a d'autres mouvements où ce sera plus difficile de le faire. On n'a pas fait d'équilibre sur une jambe. En général, en fin de grossesse, avec le ventre qui est vraiment très gros, le centre de gravité est modifié et donc les exercices d'équilibre sont encore plus difficiles et il faut plus ou moins les éviter, oui, parce que si vous tombez justement pendant la grossesse, eh bien, ce n'est pas bon pour le bébé, bien sûr, on risque de se faire mal. Donc voilà, on évite de se mettre en difficulté, en danger, tout au long de la grossesse. Francis, namasté, merci. Francine, pardon, excuse-moi. Namasté, une très belle journée à toi aussi, Francine. Sabine, merci, avec grand plaisir, merci à toi. Isa, merci pour cette belle séance faite avec vous ce matin pour bien commencer la journée. Bon dimanche et à demain en replay. À demain Isa, namasté, une très belle journée à toi et merci pour cette jolie fleur. Des gros bisous. Valérie, namasté. Marilyn, merci, merci, merci à toi. Francine, merci beaucoup, avec grand plaisir. Namasté Marilyn, c'est un délice avec toi. Merci, ça me fait trop plaisir Marilyn, une très belle journée à toi. Marie-Claude, chouette séance, merci beaucoup, namasté. Homme, bon dimanche à tous. Namasté, merci à toi pour ton message. Marie-Claude, des gros bisous et beaucoup d'amour à toi. Annie, bonjour et merci, bon dimanche, à demain. À demain, Annie, une très très belle journée à toi. Namasté et merci pour ces jolies fleurs. Laurence, merci, je ne suis pas enceinte, mais j'ai beaucoup apprécié cette séance. En effet, j'ai fait exprès de faire une séance qui soit tout de même ouverte et accessible pour les personnes qui ne sont pas enceintes. Je donne des spécificités et c'est ça la force aussi de Yoga Banana, c'est qu'elle s'adapte à toi, peu importe les spécificités, je donne des adaptations possibles pour que tout le monde puisse y accéder et en profiter. Des gros bisous Laurence, namasté, une très belle journée à toi. Evelyne, plus moyen d'être enceinte à 64 ans, ça m'a rappelé de bons souvenirs pour mes 3 enfants, bonne sensation, je suis ravie que ça ait activé en toi ces sensations, ces souvenirs de tes grossesses et de tes enfants. Je t'envoie des gros bisous Evelyne, merci pour ton message, namasté. Karine, je referai la séance en replay car je suis arrivée avec un peu de retard. Alors sache qu'on a commencé aussi avec un peu de retard, donc peut-être que tu n'as pas loupé grand chose, mais en tout cas les replays sont là pour ça, tu peux les faire à volonté. Karine, bienvenue dans la team, namasté, une très belle journée à toi. Myriam, merci Marie-Mathilde, leçon homme, j'ai trop aimé, très belle séance, même si je ne suis pas enceinte, ça me fait du bien, bon dimanche à toi. Merci beaucoup Myriam, oui, le fait de chanter leçon homme, on ne le fait pas tous les jours parce que 30 minutes ça passe très rapidement, là j'ai même encore dépassé, mais du coup on le fait le vendredi avec notre relaxation de la semaine, chaque semaine on le fait, mais après tu peux toi aussi décider de chanter leçon homme chaque jour après ta routine également. Je te souhaite une très belle journée Myriam, beaucoup d'amour, namasté. Allez, je passe un petit peu sur Instagram pour répondre à vos messages sur Instagram. Karen, alors j'ai Anne d'abord, bonne journée. Merci, une très bonne journée à toi aussi Anne, namasté.
Karen, merci pour cette séance dominicale. À demain, Marie-Mathilde. Gros bisous, des gros bisous, Karen. Merci pour ton amour, je t'en envoie également beaucoup. Karine, merci Marie-Mathilde, avec grand plaisir, namasté, une très belle journée à toi. Daniel, j'avais mal au dos, merci pour ces étirements, avec grand plaisir. Le mal de dos, c'est justement aussi du renforcement, comme je t'ai dit, pour la posture du petit pont. Par exemple, tu peux la refaire chaque jour, tu fais 10 répétitions, une fois par jour, jusqu'à 3 fois par jour, tu peux la faire. Et ça va t'aider justement à renforcer ton dos. Et continue bien sûr de pratiquer le yoga banana avec nous pour pouvoir avoir une harmonisation globale de tout ton corps. Namasté, une très belle journée à toi Daniel. Frédéric, merci Marie-Mathilde pour cette belle séance très agréable comme chaque jour. Bon dimanche, à demain. Bonne journée à tous. Merci beaucoup Frédéric et namasté. Une très belle journée à toi aussi. Je t'envoie beaucoup d'amour. Merci pour ces jolis bouquets de fleurs. Je les adore. Je te souhaite une très belle journée. Eva, merci Marie-Mathilde, heureuse d'avoir fait cette séance en live. Je suis ravie de te voir en belle forme. Merci beaucoup Eva, ça me fait trop plaisir ton message. Beaucoup, beaucoup d'amour à toi. Merci, merci infiniment. Je suis très heureuse de pouvoir partager ces moments avec toi également. Mélo, Leïka, merci, bon dimanche à tous. Avec grand plaisir, namasté, une très belle journée à toi. Mimi. À Mimi Patou, Bori, en vacances en Lorraine, il fait chaud de bon matin, le coq chantait, merci, tu es où? J'ai loupé le début. Alors je suis à la Grande Motte, c'est là où j'habite en ce moment. Et donc du coup je suis à la Grande Motte, je suis dans un petit parc à l'ombre pour se protéger du soleil parce que ici il fait déjà chaud également, même en étant à l'ombre. Donc j'imagine pas, en ce moment je peux pas vous faire les séances sur la plage, c'est juste pas possible, surtout avec la grossesse, c'est vraiment difficile les chaleurs, mais on s'hydrate, on se rafraîchit, on porte des bas de contention, des chaussettes de contention et tout va bien. Merci en tout cas pour ton message, passe de bonnes vacances en Lorraine, des gros bisous à toi, namasté. Beau dimanche Daniel, merci beaucoup à toi aussi Diane, merci beaucoup pour cette douce séance. Cette coiffure te va très bien et très joli maquillage, merci pour ce beau parc. Merci beaucoup Diane, namasté, une très belle journée à toi, merci pour ces gentils mots, ça me fait très plaisir. Moi je trouve personnellement que c'est un peu court, mais au moins ça dégage la nuque et ça tient un peu moins chaud. Donc voilà, tout va bien, ça repousse. Merci du nuque et ça tient un peu moins chaud, donc voilà, tout va bien, ça repousse. Merci du coup pour ton trèfle à quatre feuilles, pour ton trèfle, pardon, j'en perds mes mots, mais c'est parce que j'ai soif. Alors attends. Merci pour ton trèfle à quatre feuilles. Et cette jolie abeille, elle est trop mignonne. Des gros bisous, namasté et beaucoup d'amour à toi Diane. Brigitte, namasté, MM, à demain. À demain Brigitte, namasté. Une très belle journée à toi. Gigi, Ghislaine, une très belle et douce séance. J'ai adoré cette séance qui m'a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup Ghislaine, ça me fait trop plaisir. Merci pour cette étoile et cette fleur. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Namasté, à demain. Claude, merci à même. À demain, belle journée à tous. À demain, Claude, namasté. Une très belle journée à toi aussi. Nathalie, bonne journée à toi. À demain. Merci Nathalie d'avoir signé encore une fois. Namasté. Je vais y arriver, Rififi, c'est Nathalie. T'envoie des gros bisous et à demain. Brigitte, lorsqu'on met un bloc dans le dos pour redresser le dos, tous les jours, 5 minutes, faut-il faire une contre-posture? Non, pas besoin parce que ce n'est pas une extension trop forcée, trop puissante. Donc, à moins de venir faire sur un ballon, tu peux également faire cette posture sur un ballon de clin. Mais là, sur le ballon de clin, c'est vraiment une longue extension, ça, c'est un grand mouvement. Du coup, oui, il vaut mieux faire la posture de l'enfant après avoir fait ça. Mais avec la posture de allongé sur le dos, si tu en ressens le besoin, fais-le. Tu peux également ramener tes genoux sur ton ventre pour faire un étirement, en gros, de la chaîne postérieure. Mais il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment à toi comme tu le ressens. Diane, te serait-il possible, si cela existe, d'indiquer une vidéo où tu donnes les postures bénéfiques pour les neuroméningés, s'il te plaît. Doux dimanche, bisous à toutes. Alors, l'exercice, on l'a fait vendredi, je crois. On a fait cet exercice ensemble. Et ça, c'est vraiment le principal mouvement.
Après, on a des chaînes musculaires qu'on utilise en euros, en effet, au niveau des bras, au niveau des jambes. Mais en général, c'est quand même avec un kinésithérapeute qu'on le fait. Donc non, j'ai pas de vidéo que j'ai faite pour l'instant par rapport à ça. Je vais y penser, Diane, et je vais voir si je peux vous le faire justement pour le mettre sur l'espace de formation, par exemple, pour que vous puissiez faire glisser vos nerfs dans vos gaines de méninges, gaines de myéline. Namasté, une très belle journée à toi. Je suis d'accord, très jolie la coiffure, ça te va très bien. Merci beaucoup Patricia, namasté, ça me fait trop plaisir. Alors je continue sur Facebook. Christine, merci, superbe séance avec les petits oiseaux. Très belle journée et douce journée. Merci beaucoup à toi, beaucoup beaucoup d'amour à toi. Je suis ravie que tu aies apprécié cette douce séance. Je t'envoie des gros bisous et à demain Christine. France, merci. J'ai partagé à ma nièce qui est au même stade que toi. Mon enfant intérieur te remercie. À demain France. Ça fait trop plaisir que tu aies partagé cette séance à ta nièce qui est enceinte. C'est vrai que j'ai l'impression en ce moment, mais c'est sûrement parce que je suis enceinte, d'avoir énormément de personnes autour de moi qui sont enceintes. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour et des gros bisous à toi. Laurence, merci. 6 jours de Covid et je l'ai faite. Un bien fou de retrouver le goût et l'odorat, ces exercices et respire. Merci, merci. Avec grand plaisir. Eh bien, bon rétablissement à toi. Pratique le yoga. C'est vraiment important parce que en fait, tu fais circuler l'énergie en toi et ça t'aide justement à drainer ton corps et à récupérer plus facilement. Nathalie, bon dimanche, à lundi. À lundi, Nathalie, 7h30, oui, une très belle journée à toi. Christine, merci, bon dimanche, à toi aussi, namasté. Laurent, je partagerai à des amis enceintes, merci, oui. Allez-y, partagez à vos amis enceintes, ça les aidera à pouvoir peut-être reprendre confiance dans le fait de faire certains mouvements justement parce que parfois on ne sait pas trop et on n'ose pas faire alors que on a quand même la capacité de faire pas mal de mouvements. Donc c'est très important aussi de garder une activité physique pour justement ne pas se déconditionner et préparer la venue de bébé au mieux. Agnès, merci, merci, ça faisait longtemps, heureuse de vous retrouver. Très belle journée à tous, merci beaucoup Agnès, je suis très heureuse de te retrouver parmi nous également. Namasté, une très belle journée à toi. Laetitia, merci pour cette magnifique séance du matin. Le paysage et la lumière derrière toi étaient superbes. Le vent des branches du palmier, le chant des oiseaux, tout était parfait. Bravo à Charlotte d'avoir fait la séance ce matin. On se voit tout à l'heure. Génial, bravo Charlotte. Merci beaucoup Laetitia. Je t'envoie des gros gros bisous. Merci beaucoup pour ton message, il est adorable. Je t'envoie beaucoup beaucoup d'amour. Namasté et une très belle journée à vous deux, à Charlotte et à toi. Moni, j'ai plus de 70 ans, je suis raide comme un bâton, arthrose de hanche, je vous découvre et je voudrais, mais cela coince et impossible, certains exercices m'est présent. Alors super, merci beaucoup Moni pour ton partage, merci beaucoup d'avoir confié ces mots. L'arthrose, justement, il faut amener de la mobilité petit à petit, progressivement. Si certains exercices sont impossibles, ne les fais pas, on a des adaptations. Lorsque tu intègres la team Banana, je donne également des adaptations lors des échanges après chaque live. Si tu as une posture particulière, tu me dis impossible, je vais te dire comment est-ce que tu vas vraiment pouvoir l'adapter parce que je donne un maximum d'indications pendant le live, mais je ne pense pas forcément à tout. Donc surtout, n'hésite pas Moni à intégrer la team pour pouvoir justement profiter de ces conseils personnalisés. 70 ans, tu ne seras pas la plus âgée. Dans notre team Banana, il y a des personnes plus âgées que toi et qui ont commencé comme toi, raide comme un bâton et qui sont devenues beaucoup plus souples. Donc surtout, n'hésite pas, continue de pratiquer. Je suis super fière de toi que tu aies été présente et que tu aies fait ce que tu as pu. Je t'envoie des gros gros bisous, Moni. Beaucoup beaucoup d'amour. Namasté. Anne, plus de grossesse pour moi, même si j'ai rêvé d'être enceinte d'un quatrième enfant la nuit passée. Merci pour cette séance. Bon dimanche. Eh bien, l'enfant duquel tu es peut-être enceinte, c'est ton enfant intérieur à toi que tu peux laisser renaître et que tu peux laisser grandir, sur lequel tu vas pouvoir venir l'alimenter avec du développement personnel, avec du yoga, Anne.
Vraiment, c'est peut-être ça souvent. La signification des rêves n'est pas littérale. Et il y a plutôt une signification profonde, un sens profond à ces choses, à ces rêves en fait, à ces situations qui vont apparaître, qui vont nous apparaître en rêve. Et au final, ce n'est pas la traduction littérale, mais plutôt le sens profond de ce que tu as rêvé, qui fait que tu as peut-être besoin justement d'alimenter ton enfant intérieur pour le laisser s'exprimer et pour le laisser grandir en toi. Je t'envoie des gros bisous, Anne. Bravo pour tes 3 premières grossesses. Namasté. Et je te souhaite une très belle journée. Sylvie, merci pour cette séance. Sur la position de la guirlande, j'ai des douleurs au niveau de mes genoux. J'arrive à me positionner jusqu'en bas sans difficulté. Merci pour votre réponse. J'ai aussi souvent les nerfs sciatiques qui se bloquent à gauche. Très beau dimanche. Vous êtes splendide. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, la douleur au niveau des genoux, tout dépend si ça tire ou si ça fait mal. Si ça fait mal, c'est peut-être que tu as les genoux un peu vers l'intérieur. Ou alors c'est que bah il y a une flexion trop importante. Donc il faut continuer de pratiquer pour donner de la souplesse à tes genoux, progressive, sans aller trop vite, sans aller trop fort. Et ensuite, en attendant d'avoir cette souplesse au niveau des genoux, n'hésite pas à utiliser un bloc à mettre sous tes fesses pour justement avoir moins de flexion au niveau de tes genoux. Pour la sciatique, au niveau à gauche, eh bien, il y a les mouvements pour étirer le muscle piriforme qu'on fait régulièrement avec la team banana. Il me semble que tu en fais partie, ou alors tu es vraiment une grande habituée du dimanche, mais il semble que tu fais partie de la team. Et du coup, on a les séances spéciales dos dans la team banana. Je t'invite à les refaire et à les pratiquer régulièrement, justement pour te libérer de cette douleur au niveau du nerf sciatique. Je te souhaite une très belle journée, Sylvie. Namasté et à très vite. Chantal, merci beaucoup pour cette séance. J'ai une scoliose avec des douleurs en bas du dos. Puis-je suivre tous les mouvements de tes cours? Alors oui. Oui, tu peux suivre tous les mouvements de mes cours. Et justement, en fait, tu vas pouvoir t'écouter. Si certaines douleurs, certains mouvements sont trop douloureux, eh bien, tu vas ne pas les faire. Et progressivement, en fait, tu vas t'apporter de la souplesse, de la mobilité sur le reste en global. En fait, c'est ça qui est fort dans le yoga banana, c'est que, et dans le yoga en général aussi, c'est que tu as une harmonisation de toutes tes articulations. Et même si au niveau de ta colonne, du coup, tu as une scoliose, eh bien, le fait de donner de la mobilité, de donner du renforcement à ton dos, c'est ça qui va te permettre de réduire tes douleurs et de pouvoir harmoniser plus globalement ton corps. Et tu peux faire tous les mouvements, juste il faudra que tu fasses attention à certaines douleurs, certains mouvements. Lorsque ça fait mal, il ne faut pas forcer. Lorsque ça tire, c'est bon. Lorsque ça fait mal, il faut arrêter pour ensuite faire d'autres mouvements et que ça vienne petit à petit. Je te souhaite une très belle journée, Chantal. N'hésite pas à m'envoyer un message en privé si tu veux intégrer la team banana pour avoir accès à ces cours tous les jours et pour avoir accès à ces conseils personnalisés. Namasté, une très belle journée à toi. Alors, Constantin, ce n'est pas le sujet, mais je vais te répondre. Alors, je ne sais pas si tu es une femme ou un homme, mais tout dépend de la femme. C'est son choix, c'est à elle de décider, c'est à vous de choisir en même temps. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication médicale, mais c'est vraiment un choix de la femme. Tu n'as pas, tu ne peux pas dire oui, c'est, elle peut, oui, elle peut pas. C'est vraiment un choix. Julie, ces séances live du dimanche est tellement appréciable. Ce bébé est entre de bonnes mains, plein de bises. À vous deux, les filles. Merci infiniment, Marie-Mathilde. Julie, merci beaucoup pour ton message. Ça me fait trop plaisir. Et je suis très heureuse que tu apprécies ces routines chaque dimanche. N'hésite pas à intégrer la team banana, tu pourrais apprécier ce moment-là chaque jour également. Peut-être qu'aujourd'hui tu penses ne pas avoir le temps, mais en réalité c'est du temps que tu vas t'accorder et c'est du temps que tu vas pouvoir optimiser au niveau de ta journée. Puisque tu vas t'accorder 30 minutes pour toi, tu vas voir que tout le reste de la journée va être beaucoup plus efficace, tu vas être aligné, tu vas te sentir bien. Et au final, c'est vraiment en le pratiquant tous les jours que ça va changer ta vie, Julie. Namasté. Une très belle journée à toi.
Delphine, merci pour cette douce et agréable séance. Ravie d'avoir pu suivre en live. Bravo. À très vite. Namasté, Delphine. Une très bonne journée à toi. Et merci pour ton message. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Nathalie, très belle séance. Détente et ressources avant le travail. Merci beaucoup. Eh bien, bonne journée au travail, Nathalie. Namasté. Une belle journée à toi aussi. Des gros bisous et à très vite. Myriam, tu es jolie comme toujours, les oiseaux magnifiques à entendre. Merci beaucoup, je suis très heureuse que tu aies apprécié les oiseaux. Alexandra, j'ai un sommeil très léger, je n'arrive plus à me supporter car je me trouve léthargique et sans entrain. As-tu des conseils à me donner? Merci pour tes séances qui me détendent. Oui Alexandra, mon conseil c'est d'intégrer la team banana, d'intégrer cette routine chaque jour. Et tu vas voir que ça va venir petit à petit. Tu vas te donner de l'énergie, tu vas pouvoir vraiment te donner du tonus et ça va être naturel. Ça va venir, tu vas profondément changer. Tu vas avoir une transformation profonde grâce à 30 minutes que tu t'accordes chaque jour. Aujourd'hui, justement, parce que tu te trouves léthargique, tu vas te dire « Non, mais jamais je vais réussir à me motiver à le faire 30 minutes chaque jour. » Mais si, en fait, il suffit de commencer et tu vas voir que même si tu la fais pas forcément au réveil, si tu la fais en fin de journée, ça va venir petit à petit et naturellement tu vas te donner cette énergie. Les routines yoga banana, c'est un boost. Tu remets un plein d'essence dans ton carburant et tu avances et ça te permet vraiment d'avoir de la joie de vivre, d'être bien dans ta peau, de te sentir bien, d'avoir confiance en toi, de te sentir aligné. Et c'est ça la puissance du yoga banana. Donc surtout, n'hésite pas à intégrer la team Alexandra et comme ça, je vais pouvoir te motiver chaque jour. C'est vraiment mon conseil le plus avisé. T'envoie des gros bisous Alexandra. Beaucoup, beaucoup d'amour. Namasté. Et en plus, le fait de faire du yoga, ça va t'aider à mieux dormir. Alors, pour retrouver le goût et l'odorat, il n'y a pas de respiration particulière. Je n'ai pas en tête quelque chose de particulier. C'est vraiment la pratique de toutes les respirations, le fait de venir te concentrer sur toi-même, de venir centrer ton énergie sur toi pour venir te permettre justement de régénérer tes cellules. Et c'est ça qui va permettre de retrouver le goût et l'odorat. Nadine, merci pour cette magnifique séance, belle journée. Merci à toi Nadine, namasté, un très bon dimanche à toi aussi, merci pour ton message, beaucoup d'amour. Des gros bisous. Pourrais-je faire le replay à partir de quelle heure? Eh bien, comme chaque dimanche, je poste le replay à la fin de la réponse aux questions. Et donc, j'ai commencé avec un peu de retard, je termine avec un peu de retard, mais c'est qu'une question de minutes, je vais le poster d'ici quelques instants. Est-ce qu'une femme enceinte qui accouche dans une semaine peut faire cette séance? Bon dimanche à toi, bel été. Alors oui, elle peut faire cette séance. Il n'y a pas de mouvement difficile dans cette séance. Il n'y a pas de contre-indication à faire la séance. Seul, il faut suivre les indications que j'ai données au début de cette séance, Cynthia, c'est-à-dire de ne pas avoir de douleur au niveau du ventre, de ne pas avoir de sensation de tiraillement au niveau du ventre ni au niveau de la symphyse pubienne. Si tu sens que ça commence à faire des douleurs, eh bien tu arrêtes les mouvements que tu es en train de faire et tu essayes de prendre les suivants. Adepte chaque dimanche, oui Sylvie. Eh bien c'est en pratiquant tous les jours que tu vas vraiment pouvoir avoir une amélioration aussi globale. Une fois par semaine, c'est pas suffisant. C'est déjà très bien pour ceux qui le font une fois par semaine, mais vraiment ce n'est pas suffisant. Quel bébé heureux vous allez avoir. Merci, c'est gentil. Comment faire pour rejoindre la team banana car je n'arrive pas à y aller à chaque fois, Marie-Mathilde. Eh bien, envoie-nous un mail à contact@yogabanana.fr et on va pouvoir t'aider, Myriam. Je ne sais pas si tu as intégré du coup l'abonnement. Il ne me semble pas en fait. Il me semble que tu es là les dimanches, mais je ne crois pas t'avoir dans la team. Donc, envoie-nous un mail à contact@yogabanana.fr ou un message en privé sur Yoga Banana, hein, sur Facebook, sans problème. Et on va pouvoir t'aider à intégrer la team
pour pouvoir avoir une séance chaque jour, Myriam. Namasté et une très belle journée à toi. Oui, t'inquiète pas Myriam, on s'en fout. On ne perd pas d'énergie avec ces personnes, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Mais merci pour ta défense. Merci, tu es adorable et merci pour tes conseils, avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous. Allez, ça y est, je poste ce live en replay. Vous allez pouvoir refaire, pratiquer cette séance et la partager également aux personnes autour de vous qui sont enceintes ou qui ont envie de commencer le yoga également, si vous voulez, pour une découverte du yoga. C'est également très accessible, peu importe le niveau. Des gros bisous, beaucoup, beaucoup d'amour à tous et à demain. Namasté. C'est gentil.